messieurs les membres de la presse nationale et internationale, mesdames, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, délégation de la CFAO, président de la Fondation Franck Caissier, président de clubs qui sont présents, je vois mon frère du Racing qui est là, je vois Boisis de San Pedro qui est là, mesdames, messieurs les membres du jury, parce que le jury aussi a fait un travail de qualité. Mesdames, messieurs les membres de la Ligue professionnelle, chers athlètes qui avaient été désignés. Et puis j'ai laissé en dernier, last but not least, mon fils Franck, qui m'a dit, président, moi je ne parle pas, j'agis. Je voudrais vous remercier pour votre présence ce matin. Et puis vous dire vraiment toute la joie du président que je suis de prendre part à cette cérémonie symbolique. Je le disais tout à l'heure, d'abord, je voudrais féliciter la Ligue professionnelle qui a, organisé le championnat national de Ligue 1, de Ligue 2, et qui allait à son terme et qui a eu, une fin qui nous a permis d'avoir un champion. Et c'est à l'issue de ça qu'un jury constitué de professionnels aguerris. D'ailleurs, Ricardo nous a rappelé qu'il était Ricardo, mais tout à l'heure dans son intervention, il n'y en a pas que la Côte d'Ivoire nous a offert un Ricardo et c'est le seul. Et donc, des spécialistes avertis, des spécialistes aguerris, sans complaisance, parce que je les entends souvent dans leurs propos, ce sont des gens vraiment sans complaisance. Ils ont travaillé et ils ont désigné trois jeunes qui ont marqué, je dirais, la saison. Donc, les deux qui n'ont pas été retenus, je vous félicite pour le travail que vous avez fait dans votre club respectif. C'est bien, il faut continuer. Vous pouvez être là la saison prochaine. Et Zouzoua qui a été désigné, je le félicite parce que c'est aussi un aboutissement. Il était au Chan, ça a été un moment, il a eu plusieurs parties dans sa saison. Il y a eu d'abord avant le Chan, il y a eu le Chan, il y a eu après le Chan, il y a eu la Coupe d'Afrique. Donc il a eu une saison complète. Et je pense que les membres du jury ont récompensé, je dirais, ce travail et cette constance. Donc je voudrais te féliciter et t'encourager dans cette voie. Mais je voudrais dire à quel point je suis fier de mon fils Franck. Parce que Franck, vous savez, dans la vie, il faut avoir de la mémoire. Il faut avoir de la mémoire parce que Franck est un jeune Ivoirien, issu de nos quartiers, qui a participé à la Ligue 1, à ce championnat, qui est parti de ce championnat pour aller en Europe et qui est en train de faire une carrière magnifique et exceptionnelle. Il aurait pu rester dans cela. Il a monté une fondation pour apporter un peu à ce pays qui lui a tant donné par sa naissance. Et il a voulu aussi donner au football ivoirien qui est sa base. Donc ce geste qui est fait aujourd'hui à travers sa fondation, c'est un geste que nous devons apprécier à sa juste valeur. Et nous devons dire à Franck, merci beaucoup et on est fiers de ce que tu fais. Nous prions le Seigneur pour qu'il t'accompagne dans tous tes actes et que tu sois toujours couvert de paix, de prospérité et de réussite. Je voudrais féliciter le président de la Fondation qui s'est battu. On a organisé dans des conditions un peu difficiles son activité. Donc aujourd'hui, il y a un lien direct qui est fait entre lui, la Ligue et le président Malick Touré, qui est président de tout ce qui concerne le marketing, le développement et les activités, je dirais, de communication. Donc, pour préparer de la meilleure des façons possibles l'édition de l'année prochaine. Donc, c'est important que tout le monde le sache. Je voudrais donc féliciter, au nom de tous ici, Zouzoua, pour cette brillante victoire. Et puis, nous allons procéder, comme le veut la tradition, à la remise du prix. Merci et bonne fin de journée. Directeur général de la Fondation Franck Caissier. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce... D'accord, c'est parti d'une volonté. Voilà, déjà, M. Franck Caissier est un peu produit du football ivoirien. Voilà, il a estimé que, à ce niveau de sa carrière, il ne doit pas oublier d'où il vient. Il a estimé que quand il était
en formation quand il était dans le championnat, dans les différents, dans les championnats ici en Côte d'Ivoire, il était confronté aussi à certaines réalités. Et ces réalités-là, il veut aider à ce que ses coéquipiers, en fait, et ces jeunes footballeurs ici arrivent à les dépasser. Voilà. Donc c'est un élan de solidarité tout simplement en offrant cette voiture. Audio Jungle.